Lapin, canard, lièvre, veau, tout rentre, tout fait ventre pour moi. Dans l'appétit vorace, je suis une terrine qui allie élégance et robustesse. Je suis née à Marseille entre 1765 et 1770 dans la fabrique du célèbre faïencier Gaspard Robert. C'était alors la grande époque de la faïence. L'atelier comptait jusqu'à 28 apprentis dont la qualité du travail était reconnue dans tout le pays et bien au-delà. Mes courbes en forme de coquillage, que l'on ne connaissait jusqu'alors que dans le métal, sont caractéristiques de la rocaille. Je suis d'ailleurs l'une des plus dignes représentantes de ce style, inspirée du monde de l'eau et des coquillages, qui est apparu au XVIIIe siècle et s'est développée au point de transformer la structure même des objets. Facétieux, mon créateur s'est amusé à me doter de quatre pieds. On croirait presque que je vais me mettre à marcher. Mais ne vous inquiétez pas, je reste avec vous. Notez que ma forme se rapprochant de l'huître, contraste avec les différents décors peints dont je suis couverte. Les motifs en camail vert et bistre, un pigment brun issu du traitement de la suie, sont véritablement caractéristiques de l'atelier dont je suis issue. Je recueille tout ce que la nature a de bon, comme le montrent les nombreux motifs de bouquets qui habillent mon récipient. Sur mon couvercle sont couchés des trophées de chasse, lièvres, bécasses, gibecières, canards et autres gibiers à plumes. Si vous me saisissez par la prise en ronde de bosse, vous sentirez sous vos doigts moules, praires, grondins et rougets qui viennent compléter ce menu. Généreuse friande des fruits de la terre et de la mer, on peut dire que je suis à l'image de la gastronomie marseillaise d'hier et d'aujourd'hui.